Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. And I want to appreciate you. Et j'aimerais montrer mon appréciation pour vous. I just want to let you know that I love you. J'aimerais vous dire que je vous aime. Church, I love you. Église, je vous aime. You are the best church. Vous êtes la meilleure église. I love you and you're putting joy in my heart. Je vous aime, vous mettez de la joie dans mon cœur. You know your attitude in the church and your attitude toward me giving me is giving me strength to do more. Votre attitude dans l'église, votre attitude envers moi me donne de la force de continuer. Amen. Amen. This morning, ce matin, the title of our message le titre de notre message, Give thanks to God. Rendez grâce à Dieu. I know that we had a seminar of thanksgiving. Je sais que nous avons eu un séminaire d'action de grâce. And we've learned a lot. Et nous avons beaucoup appris. But we're still in that season of thanksgiving. Mais nous sommes encore dans la saison des actions de grâce. We need to be grateful to God. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. One of the best ways to be grateful to God. L'une des meilleures manières d'être reconnaissant envers Dieu. Is to do His will. C'est de faire sa volonté. To do His will. De faire sa volonté. To make sure that our lives are bringing glory to Him. De nous assurer que nos vies lui apportent la joie, la gloire. We are the family of God. Nous sommes la famille de Dieu. You know that even in our families, même dans nos familles, sometimes in as a family, en tant que famille, one of us in the family can do something. L'un d'entre nous dans la famille peut faire quelque chose. And that thing brings shame to the family. Et cette chose apporte la honte sur la famille. And we are all ashamed as a family. Et nous sommes tous dans la honte because dans la famille. One of us, parce que l'un d'entre nous, did something which is not good. A fait quelque chose qui n'est pas bonne. And as a family of God, et en tant que famille de Dieu, sometimes, parfois, some of us can do something. Certains d'entre nous peuvent faire quelque that chose. That can put shame to the family of God. Qui peut apporter la honte sur la famille de because Dieu. Because people in the world they are looking at us. Parce que dans le monde les gens nous regardent. They can say, look at the Christians. Ils disent voilà les chrétiens. You can go somewhere. Tu peux aller quelque part. And when they know that you are a Christian. Et quand ils savent que tu es chrétien. They blaming you. Ils te blâment. For something that another Christian did. Pour quelque chose qu'un autre chrétien a fait. You didn't do it, but another Christian. Tu ne l'as pas fait, mais un autre chrétien l'a fait. Us as a pastors, nous en tant que pasteurs, some places we are despised. Il y a certains endroits où nous sommes méprisés. Because of something other pastors did. À cause de quelque chose que d'autres pasteurs ont fait. When what are you doing? I say I'm a pastor. Some places they say, oh, you pastors. We you pastors, we know you. Quand je me présente en tant que pasteur dans certains endroits, certains disent à vous les pasteurs, on vous connaît. They paint us with the same brush. Et ils nous mettent tous dans le même panier. But there is something that we need to know. Alors il y a quelque chose que nous devrions savoir. For that, everyone one day will stand before God. Pour cela, tout le monde se tiendra devant Dieu un jour. For bringing shame. D'avoir apporté la honte on his name and his kingdom. Sur son nom et sur son royaume. Everyone will stand. Tout le monde se tiendra. Pastors, bishops, prophets, believers, we will stand. Tout le monde se tiendra devant lui, les pasteurs, les bishops, les archibishops, les croyants. On se tiendra devant lui. Everyone. Tout le monde. Will stand one day se tiendra devant lui and give account un jour pour rendre des comptes to our God. À notre Dieu. Now my duty mon devoir
is to teach people of God et d'enseigner le peuple de Dieu on how to glorify God sur comment glorifier Dieu so that when you stand before God one day afin que le jour où vous vous tiendrez devant Dieu you don't have an excuse to say that I didn't know que vous n'ayez pas d'excuse et dire ah ça je ne savais pas I'm doing my best je fais de mon mieux so that you know pour que vous sachiez so that if someone has to go to hell it won't be on me si quelqu'un doit aller en enfer que ça ne soit pas ma faute because every service is recorded in heaven parce que chaque culte est enregistré au ciel if I lie si j'ai menti I will stand before God moi je me tiendrai devant for Dieu my lie pour mes mensonges if you reject the word si vous rejetez la parole you will stand before vous God vous tiendrez devant Dieu for rejecting that word pour avoir rejeté cette parole. People, believers, they can't understand how Peter rejected Jesus. Les croyants ne comprennent pas pourquoi, comment Pierre avait rejeté, renié yeah, Jésus. Peter was one of the disciples. Il était l'un des disciples. One of the top. L'un des grands disciples. But he rejected, he denied Jesus one day. Mais il avait renié Jésus un jour. Now some believers are saying, how can he do that? Comment est-ce possible? Comment pouvait-il le faire? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the God was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And the Word became flesh. Et la parole s'est faite chair. And that flesh is Jesus. Et cette chair, c'est Jésus. That means ça veut dire, you can't dissociate. Vous ne vous pouvez pas vous désassocier. Jesus and the Word. Désassocier Jésus de la parole. Bottom line, when you reject the Word, quand vous rejetez la parole, you are like Peter. Vous êtes comme Pierre. You are rejecting Jesus. Vous rejetez Jésus. Because Jesus and the Word, they are one. Parce que Jésus et la parole ne font qu'un. The Word became flesh. La parole s'est faite chair. Every time you say, I don't like that word. Chaque fois que vous dites, je n'aime pas la parole. Remember that Jesus is the Word. Souvenez-vous que Jésus-Christ est la parole. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Now, in time like this, we need to check. Alors, dans des temps comme ceci, nous devons vérifier. This is checking time. C'est un temps d'examination. Check your life. Examine ta vie. You can't go on and on like a rolling stone going wherever the wind sends you. No. Tu ne peux pas continuer comme une pierre qui roule, tu vas là où le vent t'emporte. Non. You have the responsibility to stop. Tu as la responsabilité de t'arrêter and to check your life. Et d'examiner ta vie. Your relationship with God. Ta relation avec Dieu. Your relationship with people. Ta relation avec les gens. Your family. Ta famille. Your family in Christ and your biological family. Ta famille en Christ et ta famille biologique. Check. Examine. You are an ambassador for Christ. Tu es un ambassadeur pour Christ. An ambassador is representing the kingdom that sent him on earth. Un ambassadeur représente le royaume qu'il a envoyé sur terre. Now, check. Examine. Is your relationship with God okay? Est-ce que ta relation avec Dieu est parfaite? We are about to fly now to take off and to go into new year. Nous nous apprêtons à nous envoler dans la nouvelle année. You can't go into a new year. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année with the same mistakes, the same weaknesses, the same you. Avec les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes faiblesses. Don't compete with God. Ne te mets pas en compétition contre Dieu. What do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? Only him. Il n'y a que lui. He's the same yesterday, today and forever. Il n'y a que lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. But you, mais you're toi, not supposed to be the same yesterday, today and forever. Tu n'es pas supposé être le même hier, aujourd'hui et éternellement. You and me, vous et moi, we are subject to change. Nous sommes appelés à changer. From glory to glory. De gloire en gloire. Look at what you were and what you are. Regardez à ce que vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui. What you were doing and what you are doing. Ce que vous faisiez et ce que vous faites. This is checking time. C'est le temps d'examination. When we in an airplane about to fly, dans un avion qui s'apprête à prendre son envol, the team, the crew,
They call them the crew. L'équipage. They have a checking list. Ils ont une liste, un checklist. They will check everything. Ils vont vérifier tout. The fuel. Le carburant. The mechanics, the engine, the wheel, the tires, everything, even the weight of the luggages. They check everything before to take off. Avant de s'envoler, ils vérifient la pression des pneus. Ils vérifient tout. They are checking. Ils vérifient. Because if they don't do the checking, s'ils ne font pas ce checking, là, cette examination, they can crash. Ils peuvent avoir un accident. Many of the airplanes that are crashing, beaucoup d'avions qui font des accidents, it's because they didn't make the proper checking. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'examination. Some were overloaded. Certains étaient surchargés. And then they crashed. Et ils ont fait l'accident. I don't want you to crash in 2022. Je ne veux pas que tu crashes en 2022. Is not supposed to be the same as 2021. 2022 n'est pas supposé être pareil à 2021. Spiritually, physically, materially, financially, it can change. Matériellement, spirituellement, physiquement, financièrement, les choses doivent changer. Now check. Alors examinez your relationship with God. Votre relation avec Dieu. Your relationship with people. Votre relation avec les gens. Your relationship with your family. Votre relation avec la famille. Your relationship with friends. Votre relation avec les amis. And your relationship with your church. Et votre relation avec votre église. Your relationship with your man of God. Votre relation avec votre homme de Dieu. Check, 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 check. Examinez, examinez, examinez. And when they are checking, et quand vous examinez, they have a checking list. They're doing this. Ils ont une checklist et ils cochent. If something is wrong, they do like this. S'il y a une chose qui ne va pas, ils they mettent une croix. They correct. Et ils doivent corriger. That is why sometimes you find. C'est pourquoi il y a parfois des temps où vous trouvez. One time I flew. Il y a un temps où j'ai pris mon vol. And when I reached my destination, my luggage was not there. Quand j'ai atteint ma destination, mes bagages étaient perdus. But they came the following day. Mais ils m'ont suivi le jour suivant. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? They saw the weight. Ils ont vu le poids. That the airplane can carry. La charge que l'avion pouvait supporter. And the weight, the luggages, those were registered. Et la charge des bagages enregistrés. And it was too much. Elle dépassait. And they removed some stuff. Ils ont enlevé certains bagages. They put it in the next flight. Ils ont mis sur le prochain vol. So that we won't crash. Pour que nous ne puissions pas faire un accident aérien. You check your life. Examinez votre vie. And remove things that need to be removed. Et enlevez les choses qui doivent être enlevées. Fix what need to be fixed. Arrangez ce qui doit être arrangé. Add in your life what need to be added. Ajoutez ce qui doit être ajouté. I'll try my best. J'essaierai de mon mieux. Today. Aujourd'hui. To give you. De vous donner. A summary. Un résumé. I don't want to keep you too long. Je ne vais pas vous garder longtemps. But I'll try my best. Mais j'essaierai de mon mieux. 1 John chapter 4 verse 20. 1 Jean 4 20. If someone says I love God and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother who he has seen, how can he love God whom he has not seen? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hatred is not supposed to be in your heart. La haine n'est pas supposée être dans votre cœur. Check, examiner. Alléluia. We're starting to check. Il est temps d'examiner. Remove hatred from your heart. Enlevez la haine de votre cœur. Here the Bible is clear. La Bible est claire ici. If someone says I love God, si quelqu'un dit j'aime Dieu, but in the other hand he hates his brothers. Mais de l'autre côté, il est ses frères. The Bible says he is a liar. La Bible dit que c'est un menteur. Because you, how can you love the God that you cannot see? Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas? While hating your brother whom you can see. Pendant que tu hais ton frère que tu vois. Made in the image and likeness of God. Créé à l'image, à la ressemblance de Dieu.
Bible says that if you hate your brother, la Bible dit que si tu hais ton frère, and you say you love God, mais tu dis que tu aimes Dieu, una man, una landa. It's a lie. You are a liar. Tu es un menteur. I want you to check that. Vérifie cela. And fix. Et arrange. Remove hatred. Enlève la haine. And put love. Et remplace-la par l'amour. Amen. Amen. Fix what needs to be fixed. Arrange ce qui doit être arrangé. Matthew chapter 22. Matthieu 22. 37 to 40. 37 à 40. Jesus said to him, you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. This is the summary of all the commandments of God. C'est le résumé de tous les commandements de Dieu. When you love God, quand tu aimes Dieu, and you love your neighbor, et tu aimes ton prochain, you can't do wrong to your neighbor. Tu ne peux pas faire du tort à ton prochain. If you love your neighbor as you love yourself. Si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Step number one, you need to love yourself. Première étape, tu dois t'aimer toi-même. There are people who does not love themselves. Il y a des gens qui ne s'aiment pas à eux-mêmes. They don't like the way they are. Ils n'aiment pas comment ils sont. Be happy with who you are. Sois content de qui tu es. Because God made you. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. The way you are. De la manière que tu es. That nose, even people say your nose, but God made it. Le nez, les gens peuvent dire, oh non, tu as un gros nez. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Love it. Il faut l'aimer. God made it. Dieu l'a créé. He was generous with you. Il a été généreux avec toi en te donnant un gros nez. Oh, your head. Oh, ta tête. There's nothing wrong with your head. Il n'y a rien de mal avec ta tête. If somebody finds something wrong with my head. S'il y a quelqu'un qui pense que ma tête n'est pas bonne, there is something wrong with his head. C'est lui qui sa tête n'est pas bonne. My head is all right. Ma tête elle est bonne, elle est belle, une belle tête. God made it. C'est Dieu qui l'a créé. Love yourself. Aime-toi toi-même. It is impossible for you to love people if you can't love yourself first. C'est impossible d'aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Because if you don't love yourself, parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, you will envy someone else. Tu vas envier les autres. And with envy, et avec la convoitise, jealousy, il y a la jalousie, and other evil feelings will et come. D'autres mauvais sentiments qui viennent. Because you don't love yourself, parce que tu ne t'aimes pas. Now you want something that someone else. Maintenant tu désires quelque chose que d'autres ont. Love yourself. Aime-toi toi-même. Love your neighbor. As you love yourself. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Amen. Look at Michael Jackson. He didn't love himself. Regardez à frère Michael Jackson. Il ne s'aimait pas. He changed. He put a fake nose, and that fake nose was giving him trouble. Sometimes it was falling apart. Il a mis un nez en plastique. Parfois le nez en plastique tombait. Et on mettait la colle. Change his skin color, change. Certains ont des problèmes. Especially overseas. Surtout à l'étranger. When they're not happy with what they have, they put fake boobs. Quand these are chemicals they put, and sometimes it gives them trouble, and they need to operate them again. Vraiment. Parfois à l'étranger, pas ici, hein. No, not in this church. Et surtout pas dans cette église. If you have the real. Ici, les gens ont des vrais, mais parfois ils ne sont pas contents avec leur sein. Ils mettent la silicone dans les seins. Parfois, la silicone, c'est trou. Oh, les cancers des seins, on doit les opérer. Love yourself. Aime-toi toi-même. Love your neighbor as yourself. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même.
Love your God. Aime ton Dieu. How do I love my God? Comment est-ce que j'aime mon Dieu? With all your might, all your strength, all your mind. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. You shall love the Lord your God with all your heart. When you love your God with all your heart, there's no room left for doing the things of the devil. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, il n'y a pas de place pour faire les choses qui plaisent au diable. When you love your God with all your heart, quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, your soul, your mind, ton âme, ta pensée, you will do his will. Tu feras sa volonté. You will do good in the kingdom of God. Tu feras du bien dans le royaume de Dieu. Because I love my God. Parce que j'aime mon Dieu. I will do this for him. Je ferai ceci pour I will lui. Obey his commandments. J'obéirai à ses commandements. I will put in practice his word. Je vais mettre en pratique sa parole. Why? Because I love my God. Pourquoi? Parce que j'aime mon Dieu. It's out of love of God that you are here this morning. C'est parce que Dieu t'aime. C'est par amour pour Dieu que tu es là ce matin. You didn't say, let me take a break. Tu n'as pas dit, ah, je vais prendre une petite pause. No, you didn't take a break. Tu n'as pas pris une pause. You are tired. Tu es fatigué. I know you are. Je sais que vous êtes fatigué. But you're still doing an effort to be in the house of God even the last Sunday of the year. Mais vous faites un effort pour être dans la maison de Dieu le tout dernier dimanche de l'année. It's out of love. C'est par amour. With all your heart. De tout ton cœur. I wish I can rest. But I will go in, for my God. I will go in the house of God. Après les cultes d'hier, j'aurais souhaité dormir un peu plus. Mais parce que j'aime Dieu, je vais encore aller aujourd'hui. You've been invited to go somewhere. On t'a invité d'aller quelque part. But you say, okay. Tu dis, ok. I will come but after church. Je viendrai après mon rendez-vous avec Dieu. Why? Pourquoi? Because my priority number one is my God. Parce que ma priorité des priorités, c'est mon Dieu. Putting God first. Mettre Dieu en première position. There will always be a reward. Il y aura toujours une récompense. Because he's checking. Parce que Dieu vérifie. But you have also to check. Mais vous devez aussi examiner. Do I love my God with all my heart? Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? If it's not enough, check and next year do even better. Si ce n'est pas assez, examine-toi et l'année prochaine fais mieux. You know the difference in the kingdom of God. La différence dans le royaume de Dieu. Some are blessed. Certains sont bénis. Amen. I'm blessed. Some are blessed more than others. Certains sont bénis plus que les autres. It's proportional to the love that we have for God. C'est proportionnel à l'amour que vous avez pour Dieu. And we also receiving. Et nous recevons aussi. Proportionally. Proportionnellement. To what we are giving to Him. Selon ce que nous lui donnons. How do I know that? Comment est-ce que je le sais? The Bible says, la Bible dit, with the same measure you will serve, you will give, it will be given to you. Avec la même mesure que vous vous servirez pour donner, il vous sera donné. What is the measure of love? Quelle est la mesure d'amour? Do you have for God? Que vous avez pour Dieu? That same measure. La même mesure là. Is coming back. God is using your same measure to bless you. Dieu utilise votre mesure pour vous bénir. Because it's your measure. Parce que c'est ta mesure. We are limiting God sometimes. Parfois nous limitons Dieu. Seek me, he says. Il dit, cherchez-moi. And you'll find me if you seek me with all your heart. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Be willing. Soyez prêt. To do everything you do for God. À faire tout ce que vous faites pour Dieu. Do it with all your heart. De le faire de tout votre cœur. You are a singer. Vous êtes un chanteur. Sing with all your heart. Chantez de tout votre cœur. You are an intercessor. Vous êtes intercesseur. Do it with all your heart. Faites-le de tout votre cœur.
You are a preacher. Vous êtes un prédicateur. Preach with all your heart. Prêchez de tout votre cœur. You are an elder. Vous êtes un ancien. Be an elder. Soyez ancien. With all your heart. De tout votre cœur. You are a deacon. Vous êtes un diacre. Diaconesse. Be your deacon, elder, and deaconesses with all your heart. Soyez-le de tout votre cœur. You are an usher. Vous êtes un protocole. Usher with all your heart. Soyez protocole de tout votre cœur. You are a believer. Vous êtes un croyant. Believe with all your heart. Croyez de tout votre cœur. God does not like half-hearted people. Dieu n'aime pas les mesures à moitié ou bien les personnes qui sont partagées. Seek him with all your heart. Cherche-le de tout ton cœur. You'll see the glory of God. Tu verras la gloire de Dieu. There's nothing impossible with God. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. He wants to take you to your next level. Dieu veut t'amener à ton prochain niveau. Let me tell you that next year. Laissez-moi vous dire l'année prochaine. God is taking us to the next level. Dieu nous prend vers un autre niveau élevé. I'm telling you. Je vous le dis. Even these 36 days of fasting. Même les 36 jours de jeûne qui viennent là. We will see miracles in the church. Nous allons voir des miracles dans l'église. We will see healing in the church. Nous verrons des guérisons dans l'église. There will be great things in these 36 days of fasting. Il y aura de grandes choses dans les 36 jours de jeûne. And walala wasala. Et tu dors, tu perds. I'm doing my portion. I'm doing my part. Moi, je joue mon rôle. Je fais ma part. With all my heart. De tout mon cœur. I'm not younger than you. Je ne suis pas plus jeune que vous. There is no one in the church who's older than me. Il n'y a here. Personne dans l'église ici qui But est plus vieux me. Que moi. Mais regardez-moi. Is my, with all my heart. De tout mon cœur. All my heart. De tout mon cœur. All my heart. De tout mon cœur. I'm serving him. Je sers Dieu. We had a seminar last week. La semaine passée, on avait un séminaire. And we had the service yesterday. Et nous avions eu un culte hier And matin. Here I am. Et me voici encore aujourd'hui. I have preachers here. J'ai des prédicateurs parmi I vous. Can tell, okay, Pastor John. Pastor John, I'm tired. Je suis fatigué. Please, Sunday. S'il vous plaît, dimanche, balancez. I'm the shepherd. Je suis le berger. These pastors, they are my helpers. Ces pasteurs sont là pour m'aider. Now, maintenant, they are helping me. Ils m'aident. But I need to give the lead. Mais je dois montrer l'exemple. I'm leading by example. Je conduis par exemple. I give the vision. Je donne la vision. And they are running with that vision. Et ils courent avec la vision. And I'm not sluggish. Et je ne suis pas paresseux. No ways. Non. God is against sluggish people and lazy people. Dieu est contre la paresse, les gens qui font les choses avec paresse et mollesse. Now when God does something for me, some people will wonder how well, God, did you get that how did No, I say it's God. Another person say, but God we do all know. No. We know him but to the level of knowledge. Dieu me voit comment je le sers. Et quand il va me bénir, oh non, nous tous nous servons Dieu. Comment lui, il est plus béni. Dieu nous connaît. We're going nous allons to the next level. À un niveau élevé. 2022. Bien-aimé. God Dieu va confondre tes ennemis. Everything that is happening in the world. Dieu va confondre le monde. God tout ce qui se passe dans difference. Le monde. Dieu fera la différence. God will make a difference. Dieu fera la différence. Between us, his children, entre his people. Nous, ses enfants. What they are trying to do to the people of God. Ce qu'ils essaient de faire contre le peuple de Dieu. To impoverish you. De vous appauvrir. No, we will become richer. Non, nous allons nous enrichir. Things that are impossible to others will be possible with us. Les choses qui sont impossibles aux autres nous seront possibles à nous. Why? Because God will bring glory to his name. Parce que Dieu va prendre gloire, ramener la gloire à son nom. For he said I will never give my glory to another. Parce qu'il dit je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. Satan won't take the glory of God. Satan ne va pas prendre la gloire de Dieu. The glory of God will be seen through us. La gloire de Dieu sera vue à travers nous. Next year, l'année prochaine. Next year, l'année prochaine. Be ready. Soyez prêts. Check. Examinez. Your love toward votre God. Amour pour Dieu. Your love toward others. Votre amour pour les autres. Another thing.
une autre chose. Let us go to the book of Ephesians chapter 4 and verse 25, from verse 25 to verse 32. Exode. Non, non, Ephesians. Je m'excuse. Ephésiens, 4, chapitre 4, 25 to 32. De 25 à 32. Husband, love your wife just as also Christ loved you, loved the church and gave himself. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même. That is in the house. Ça, c'est dans la maison. Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with washing by the water of the word, that he might present himself and so on. Amen. Ephésiens 5, 22. Ma femme, non. 20. What verse is it? 25, I beg your pardon. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, et nous connaissons la suite. And verse 22 says, wife, submit yourself to your own husband as to the Lord. Et verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Married couple, check that. Les couples mariés, examinez cela. Don't be holy on Sunday in church. Ne soyez pas saints seulement les dimanches à l'église. Holiness is not here in church only. La sainteté, ce n'est pas seulement dimanche matin dans l'église. Wives, submit to your husband. Femmes, soyez soumises à vos maris. Husband, love your wife. Marie, aimez vos femmes. And that is something good. C'est une bonne chose. And that is part of being holy and pleasing God. Et ça, ça fait partie d'être saint et de plaire à Dieu. Fix that. Examinez cela. And you'll please your God. Et vous plairez à Dieu. We need to check because we are going in the new year. Vous devez examiner cela parce que nous allons dans une nouvelle année. Don't be overloaded. Ne soyez pas surchargé. With unnecessary weight. Avec des charges inutiles. Unnecessary luggage. Avec des bagages inutiles. You'll make a crash. Vous allez faire un crash aérien. First Peter chapter 2, 4 to 5. 1 Pierre 2, 3 à 4. First Peter chapter 2, 4 to 5. 4 à 5. Coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. We are following Jesus. Nous suivons Jésus. The Bible says himself he was a stone, but that was rejected. La Bible dit que lui-même était une pierre vivante mais rejetée. Now when we are coming to him, alors quand nous venons à lui, the stone that was rejected, la pierre qui a été rejetée, he was a stone. Il était une pierre. Now the Bible says, et la Bible dit, we, nous, are sommes living stones, des pierres vivantes, building the house of God, qui bâtissons la maison de Dieu. This is the house of God. Ici, c'est la maison the de Dieu. The church is the house of God. L'église, c'est la maison de Dieu. And it is built with living stones. Et elle est bâtie avec des pierres vivantes. That means you are a stone, I am a stone, she is a stone. Ça veut dire, je suis une pierre, il est une pierre, elle est une pierre. We are stones. Nous sommes des pierres. Big stones, small stones, but we all needed to build
the house of God, the sanctuary of God. Des petites pierres, des grosses pierres, des pierres, des formes différentes, mais tous ensemble, nous bâtissons la maison de Dieu. And these stones, et ces pierres, are living. Elles sont vivantes. Stones sont des pierres vivantes. Now, let me tell you, you see here. Alors, laissez-moi vous dire, vous voyez ici. It's an image of stones. C'est une image d'une pierre. In the hall, dans ces murs. Now, maintenant, this one, ça, projector, un projecteur, est-ce que vous pouvez media project zoomer ici? I'm teaching. Je suis en train d'enseigner. Zoom, s'il vous plaît. Zoom me, zoom, zoom, zoom. This is a stone. Ça, c'est une pierre. For this stone to build the wall, pour que cette pierre puisse bâtir un mur, it need one stone at the left and one stone at the right. On a besoin d'une pierre à gauche et une pierre à droite. But this stone need also in this wall. Mais dans ces murs, it has one, two stones. On a aussi deux pierres on top of this. Au-dessus de celle-ci. Now this stone can say, how can these two stones be on top of me? Maintenant, imaginez-vous que cette pierre commence à se plaindre. Non, pourquoi il y a deux pierres au-dessus de moi? I don't want any stone to be above me. Je refuse qu'il y ait des pierres au-dessus de moi. And these two, et ces deux pierres, they have this one and this one. Il y a une à côté de l'autre. And so on and so on. Et ainsi de suite. And you can see how the wall is beautiful. Et vous allez voir comment le mur est beau. Because every stone, parce que chaque pierre, accept the stone at the left and the stone at the right and the stone under it and the stones above them. No stone can say, leave me alone. Parce que chaque pierre accepte l'autre pierre en dessous d'elle, au-dessus d'elle, à côté d'elle, et ne dit pas, je veux être seul. We are living stones. Nous sommes des pierres vivantes. Building up, qui bâtissent. The sanctuary of God. Le sanctuaire de Dieu. Now you need to check my brother, my alors, sister. Examine-toi mon frère, ma your soeur. Your relationship. Ta relation. With other stones. Avec les autres pierres. Because a stone, en tant que pierre, if he's not playing his role in the hall, si tu ne joues pas ton rôle dans le it mur, will be useless. Elle sera inutile. And when I find a stone, et quand je trouve une pierre, I can use it, je peux l'utiliser, as a weapon to strike a dog, pour la lancer contre un chien, or to block the gate, ou bien pour bloquer une porte, or I can put it in the garden. Je peux la placer même dans les jardins. It can be anything. Elle peut devenir n'importe quoi. But it's useless. Mais elle est inutile. But the stone that is in the wall, mais la pierre qui est dans le mur, is not useless. Elle n'est pas inutile. You are a living stone. Vous êtes pierre vivante. We are a church. Nous sommes une église. Accept the stone at your left hand. Accepte les pierres à ta gauche. Accept the stone at your right hand. Accepte les pierres à ta droite. And there might be a stone or two stones above you. Et peut-être qu'il y a une pierre ou deux pierres au-dessus de toi. Each and every one of us, chacun d'entre nous, has a stone, a une pierre, or even two or three, ou deux ou trois pierres. Au-dessus. On top of them. Au-dessus d'elles. I accept that. Je les accepte. I accept that. Je l'accepte. I want to be useful. Je veux être utile. In the building up of the sanctuary of God. Dans l'édifice du sanctuaire de Dieu. You are a living stone. Vous êtes une pierre vivante. That is what the Bible says. C'est ça que la Bible dit. And as you can see, et comme vous le voyez, this stone, ces pierres, is small. Elles sont petites. But is useful. Mais elles sont utiles. Can you imagine? Alors essayez de vous if imaginer. If this little stone was not here, si cette petite pierre n'était pas ici, this small stone, cette petite pierre, is supporting this. Elle est en train de soutenir l'autre. Without this small, sans cette petite pierre, this will fall apart. La pierre d'au-dessus va tomber. No matter your size, quelle que soit ta taille, no matter the color of your skin, quelle que soit la couleur de ta peau, you can see the beauty of this wall. Vous pouvez voir la beauté de ces murs. Is made up with the different size and different color of stones. Il y a différentes couleurs de pierres, différentes tailles de pierres. This stone can say, I'm too dark. Cette pierre peut dire, je suis trop foncé. No, you can't say I'm too dark. Tu peux pas dire, je suis trop foncé. This one cannot say, you are too dark, don't stay on top of me. Celui-ci ne veut pas dire, toi tu es trop foncé, ne viens pas au-dessus de moi. Now this, maintenant ceci, mixed,
mélangé. Makes the beauty. On a cette beauté. We are living stones. Nous sommes des pierres vivantes. Don't stay out of the building. Ne reste pas déconnecté stay de l'édifice. In the wall. Reste dans la, le mur de l'édifice. Stay in the wall. Otherwise you'll be useless. Reste dans le mur de l'édifice. Autrement, tu seras useless inutile. To God, but you'll be useful to the devil. Inutile à Dieu, mais tu seras utile au diable. That is those who are lukewarm. C'est ceux qui sont tièdes. God wants people who are hot. Dieu veut des gens qui sont chauds, bouillants. If you are lukewarm, he will spit you out of his mouth, and the devil will take you. Si tu es tiède, il va te vomir de ta bouche et le diable va te récupérer. Amen. Amen. Ephesians, Ephésiens, chapter 4. We're going to read slowly from verse 9. À partir du verset 9, lentement. Up to 16, I think. Jusqu'à 16, je Now, crois. Now that is our, I'm showing our relationship with one another. Là, je montre nos relations les uns avec les autres. You need to check. Il faut examiner. Your relationship with other stones. Ta relation avec les autres pierres. You need them and they need you. Vous avez besoin d'elles et elles ont besoin de vous. I need you. J'ai besoin de vous. And you need me. Et vous avez besoin de moi. You can't do without me. Tu ne peux pas t'en sortir sans no moi. No matter what the devil is telling you. Tu ne peux pas faire sans you moi malgré me. Ce que le diable met dans ta tête. Tu But as besoin me de too, moi. I need you. Moi aussi j'ai besoin de toi. We need one another. Nous avons besoin les uns des autres. There's no one who can say I can't do, I don't want them, I can do it alone. Il n'y a personne qui pourra dire ah j'ai pas besoin d'eux, je peux m'en sortir tout seul. Who am I if you are not here? Que serais-je si vous n'étiez pas là? To whom am I going to preach? Je vais prêcher qui? Oh, I'm serving God. Oh, je sers Dieu. If they put you on an island, si on te met sur une île, there's no one, sans personne, except for some birds and lizards. Il y a des lézards, il y a des oiseaux. And they say serve God. On dit serve Dieu. How are you going to serve God? Comment serviras-tu Dieu? I'm serving God. Moi, je sers Dieu. Because you are here. Parce que vous êtes là. Ashes, you are serving God. Les protocoles, vous servez Dieu. Because people are here. Parce qu'il y a des gens. And so on. Et ainsi de suite. Go and sing, you singer. Go and sing on an isolated island. Vous sing for lizards and birds. Vous qui aimez chanter, vous chanteurs, allez chanter sur une île déserte. Vous allez chanter pour les feuilles et les arbres. Because you have a beautiful voice and you, vous êtes là bas fier. J'ai une belle voix. Tu fais des fiers. God gave you a beautiful voice. Sing. Dieu t'a donné une belle voix. Mais chante. Sing for him. Chante pour lui. With all your heart. De tout ton cœur. Don't be stingy with that voice. Ne sois pas avare avec ta voix. Oh, they will see. I won't sing. Ils vont voir. Je ne vais pas chanter. God will give a beautiful voice to someone who can sing even better than you. Dieu peut donner une belle voix à une autre personne qui va même mieux chanter que toi. Serve God with your youth. Sers Dieu avec ta jeunesse. If you are single. Si tu es célibataire, serve God with your singleness. Sers Dieu avec ton célibat. Because there are some stuff you can't do for God when you'll get married. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire pour Dieu quand tu te marieras. Take that opportunity now that you're still single. Prends l'opportunité maintenant que tu es encore célibataire. To serve God. De servir Dieu. Because when you are married, quand tu vas te marier, there are stuff that you could do now. Il y a des choses que tu pourrais faire maintenant. Able to do them. Que tu ne feras plus. It's now. C'est maintenant that you can serve God. Que tu peux servir Dieu. You don't have a child? Tu n'as pas d'enfant. Serve God. Sers Dieu. Because when you have children, parce que quand tu auras des enfants, there are things that you won't be able to do for God. Il y a des choses que tu ne seras pas en mesure because de faire pour now Dieu. You have children. Parce que tu as des enfants. You don't have an excuse. Tu n'as pas d'excuse.
Esther was young. Esther était jeune. She served God. Elle a servi Dieu. Daniel was young. Daniel était jeune. Abraham was old. Abraham était vieux. Deborah was a woman. Deborah était femme. No excuse. Pas d'excuse. Young or old, serve God. Jeune ou vieux, servez Dieu. Don't say I'm too young, I'm too old. I'm just a woman, I'm just what. Whatever you are, what, serve God with your what, serve God. Ne dis pas, oh, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Oh, je ne suis qu'une femme, oh, je ne suis qu'un jeune garçon. Qui que tu sois, sers Dieu avec ta condition. Some will say, no, I'm too old now. Oh, Abraham was old. Oh, nous avons pris de l'âge, nous, que vous voyez là. Mais Abraham était vieux. Anna was old in the temple. Anne, elle était vieille dans le temple. Gideon was old. Gédéon était vieux. I'll serve God. Moi, je servirai Even Dieu. Old. Même dans la vieillesse. Women serve God. Les femmes ont servi Dieu. Read the Bible. Lisez la Bible. I'm just a woman. Oh, je ne suis qu'une I'm femme. Just a young boy. I'm just a young girl. Je ne suis Serve qu'une, God. Qu'un jeune homme. Serve Dieu. And there's something good about God. Et une bonne chose avec Dieu. Once you start serving him, une fois que tu commences à le servir, he'll start also promoting you. Il va commencer à te promouvoir. Because he cannot promote someone who's doing nothing. Dieu ne peut pas promouvoir quelqu'un qui ne fait rien. Hallelujah. You're doing nothing. How can they promote you? Tu ne fais rien. Promotion, promote you to laziness, to more laziness. Promotion de quoi? D'où vers où? De la paresse à une paresse supérieure. Financial partners. Les partenaires financiers. That finances you have. Les finances que vous avez. Is God. C'est Dieu who gave it to you. Qui vous les a donné. Support his work. Soutenez son œuvre. With your finances. Avec vos finances. The more you support the work of God with your finances. Plus vous soutenez l'œuvre de Dieu avec vos finances. The more he will give you. Plus il vous donnera. The more he'll give you. Plus il vous donnera. God is not in need of money. You need money. Dieu n'a pas besoin d'argent. C'est toi qui as besoin d'argent. But the more you put your money to the service of God, et plus tu mets ton argent au service de Dieu, the more God will give you, plus Dieu te donnera, so that you can support His work even more, afin que tu soutiennes son œuvre davantage. Beloved in the Lord, bien-aimé dans le Seigneur, check, vérifiez, everything that you want, examine, give it to God. Tout ce que vous voulez, donnez ça à Dieu. What you want. Ce que tu veux là. Give it to God. Donne ça à Dieu. And he's in the business of multiplying whatever we give to him. Et Dieu est dans les affaires de multiplication. Il multiplie tout ce que nous lui donnons. Whatever you give to God. Tout ce que tu donnes à Dieu. He will beautify it. Dieu va l'embellir. Even your life. Même ta vie. I gave my life to God. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur. But the life that I gave him. Mais la vie là que je lui ai donnée. Was not as beautiful as the life that I have now. Elle n'était pas aussi belle que la vie que j'ai aujourd'hui. I gave him amen. Je lui ai donné what une I vie. Gave to him. Ce que je lui ai donné. Yeah. Hallelujah. He took it. Il a pris. And he starts. Il a commencé. Polish. À polir. Removing stuff. Enlever des choses. Putting his own stuff. Et mettre ses propres choses. Uplifting, beautifying. En train d'embellir. That's what I gave to him. C'est ce que j'ai donné à Dieu. Now it's even better than that, what I gave him. Maintenant c'est même mieux que ce que je lui avais donné. I feel sorry for those who want to give, who don't want to give their life. Maintenant j'ai pitié de ceux qui s'accrochent à leur vie. To God. Et qui ne veulent you pas give him donner money, à Dieu. He'll give you more. Donne-lui l'argent, il te rendra plus. Donne your life. Give your life, he'll give you a better life. Tu lui donnes ta vie, il te rendra une meilleure vie. You give him your time. Tu lui donnes ton temps. He will give you more time on earth. Il te donnera plus de temps sur la terre. Why does God have to keep you long on earth to do what? Bon, Dieu, tu veux que Dieu te garde longtemps sur la terre pour que tu fasses quoi? Give to God a good reason. Donne à Dieu une bonne raison to keep you alive. Pour laquelle il devrait te garder en vie.
I'll say it again. Je vais le dire encore. Give to God a good reason. Donne à Dieu une bonne raison. To keep you long on earth. Pour laquelle il devrait te garder en vie longtemps. Give to God a reason. Donne à Dieu une raison. Why he should protect you. De te protéger. Na lobby boy. Donne à Dieu une raison pour qu'il te commence à te protéger. I'm saying this. Give God a good reason for him to protège pourquoi? Protecting you. Why is he protecting you? Toi qui es gourmand, tu aimes seulement manger, manger. Il te protège pour manger. You are so selfish. You are living for yourself. So God will protect you for yourself, so you can eat yourself. Donne à Dieu une raison pour qu'il te donne l'argent. Give God a good reason for him to bless you with money. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? What are you going to do with that money? Give him a good reason for him to give you money to do what with that money? Il sait que s'il te donne beaucoup, tu peux même quitter l'église. He knows if he gives you a lot of money, you will even leave the church. Dieu sait. God knows. Qu'il y a des gens. There are people. Ceux qui ont joué l'art. If they have money. Ali moins. Chelete. Tout la disappear into the horizon. They par. They are gone. L'art. Money. Afandawa. He has money, a big car, for him to be here. Donne à Dieu une bonne raison de te bénir. Give God a good reason to bless you. Est-ce que tu vas le glorifier? Will you glorify him? Ou bien tu seras des moments comme ça, on a un San City. Or you'll be, instead of being a church, I'm at San City, it's holiday season. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.